sais pas comment vous décrire ça. Oh, Varanasi, Varanasi. Là. Tu me touches, là. C'est difficile à décrire. Écoutez, c'est indescriptible l'énergie qui est ici. Ça monte, ça monte, ça monte. Les frissons. Imaginez, je suis sur le bord du Gange à Varanasi, la ville la plus sainte, la plus spirituelle du monde. Là où les gens viennent en pèlerinage, viennent honorer Shiva, qui est une figure extrêmement importante en Inde, et où les gens viennent mourir ici parce qu'ils croient qu'en mourant ici, ils vont stopper le cycle de réincarnation. Écoutez, j'ai pas de mots, là. Un autre état de grâce. J'en reviens pas que je suis ici. Ça fait longtemps que je veux venir à Varanasi, Benares, Kashi. Il y a toutes sortes de termes là, pour appeler cette ville-là. Ouf, là, je comprends. Je comprends pourquoi que beaucoup de voyageurs décident de venir ici. C'est extrêmement touchant. Allez, vados. Ça commence bien mon périple à Varanasi, faire rien que la première journée. Ouf, une claque d'en face.